Hey yo, c'est une réalité, pas une BD. Comme William Shakespeare, je m'inspire de la vie. Pour vous dire que c'est un théâtre, on est et pose des actes. C'est ce qui répercute sur chacun et crée des impacts. Y'en a qui perdent le contrôle, mais nous on continue à jouer notre rôle. Car la vie est un théâtre. Comme William Shakespeare, je m'inspire de la vie. Pour vous dire que c'est un théâtre, on est et pose des actes. C'est ce qui répercute sur chacun et crée des impacts. Y'en a qui perdent le contrôle, mais nous on continue à jouer notre rôle. Car la vie est un théâtre. Hey yo, chaque être humain vit dans sa réalité. C'est ce qui fait notre propre identité. On vient jouer notre rôle. On sait bien qu'il y en a beaucoup qui perdent le contrôle, mais il y en a qui continuent à garder la tête haute malgré tous les parasites qu'ils rencontrent sur leur route. Par contre, on a ceux qui ne savent qu'ouvrir leur grande gueule parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir de l'orgueil. Je méprise ces personnes qui veulent toujours passer avant les autres et qui n'ont qu'un remords par rapport à leur faute. Je vois cet homme sur un lit d'hôpital qui a peur de mourir, à son chevet sa top modèle qui a trop peur de vieillir. En bas du palier, tu as ce mendiant qui demande une petite pièce juste pour se nourrir. Il y a aussi ce bon père de famille qui accumule les dettes malgré tout ce qu'il fait pour s'en sortir. Alors que ses amis pensent que c'est un pauvre type, il n'a pas pu saisir les opportunités pour se construire un bel avenir. Yeah. Comme William Shakespeare, je m'inspire de la vie pour vous dire que c'est un théâtre. On est et pose des actes. C'est ce qui répercute sur chacun et crée des impacts. Il y en a qui perdent le contrôle, mais nous on continue à jouer notre rôle car la vie est un théâtre. Je vois tous ces gens qui pensent que leur vie est un désastre, mais au même moment, on entend la radio qu'une petite fille a une maladie incurable. Tu as ce type en boîte de nuit qui se donne un genre pour être une crasseuse qui n'en veut qu'à son portefeuille, alors qu'il a son employé qui a bien toujours qui le paye. J'ai vu ce propriétaire raciste qu'on appellerait plutôt un bâtard qui a décidé de faire vivre un enfer à ses locataires malgré tout ce qu'ils font pour lui plaire. Il y a aussi ces dirigeants qui montent des histoires en toutes pièces. En fait, c'est juste des mythos qui sont prêts à tout pour tenir les rênes. En même temps, il faut tout pour faire un monde. Donc à bon entendeur, je vous salue. Donc à salut, pas on tout sait, non. Ah, la vie est un théâtre. Chacun vient jouer son rôle et ses scénarios. Une vraie comédie, William Shakespeare. Yo, c'est who came down the mic. I take like that easy way, man. Filmé. Y'en a pour tout le monde. À suivre.